Yo! Salut les amis, voilà comment ça se passe, je t'explique. J'aimerais dire une chose, c'est que j'en ai ras-le-bol de voir tous ces faux profils là qu'on voit sur YouTube, sur Facebook, surtout sur YouTube quoi. Parce qu'il y a un truc qui me fait délirer quand même, ouais. Il y a des mecs, voilà, qui mettent des photos de super nana quoi sur ce site et qui vient vers toi. Et toi, le truc qui est bizarre, c'est que la mentalité des femmes, elle n'est pas comme ça. Logiquement, c'est l'homme qui va vers la femme et non le contraire. Et là, c'est le contraire, toi. C'est genre, tu reçois un message, surtout sur YouTube, tu reçois un message, tu vois une photo d'une personne, mais tu vois la meuf, et tu te dis, putain, mais elle sent tout la fille, tu sais. Alors, ça commence comme toujours comme ça commence. Voilà, salut, comment tu vas? Est-ce que je vous dérange pas? Déjà, encore plus, ça te vous voit. Bon, c'est bien, c'est poli. Est-ce que je vous dérange pas? Voilà, je suis sur le site. Est-ce que je recherche quelque chose de sérieux? Mais genre, déjà, direct, est-ce qu'il y a des gens qui rentrent dans ce jeu, franchement? Franchement, alors, ils commencent à te parler, ils disent, voilà, j'étais là, je suis célibataire, j'ai pas d'enfant, et blabla, et blabla, ils commencent à te poser des questions, et toi, et ceci, et cela, alors. Et puis, il arrive un moment, il te dit, voilà, écoute, moi, j'aimerais bien te connaître, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, aller me prendre un ticket dans un buraliste, de je sais pas quoi, pour leur envoyer de l'argent? Non, mais, hé, faut arrêter, là, faut arrêter de prendre les gens pour des cons, quoi. Alors, moi, ma vidéo, elle est simple. À tous les gars qui sont un peu paumés, qui n'ont pas de femme dans leur vie, les gars, moi je vous le dis, c'est pas parce qu'il y a une bonne nana qui va arriver en photo, surtout en photo, quoi, qui va arriver et qui va te poser la question, de dire, ouais, écoute, tu m'intéresses, machin. Et laisse tomber. Surtout, tu verras, tu regarderas l'heure, à chaque fois, c'est vers 19h jusqu'à 20h, 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 20h30, maximum, maximum, d'accord? Et que tu les as. Après, tu les vois plus. La journée, tu les vois plus. Le lendemain, tu les vois plus. Ne donnez pas votre Skype parce que la plupart du temps, ils vous demandent le Skype. Et franchement, ils sont abrutis parce que les gars, n'allez pas sur Skype pour aller voir des meufs comme ça. C'est des mecs. C'est des mecs. Et les mecs qui commencent à vous dire, ouais, envoie-moi de l'argent, s'il te plaît. C'est de la merde. Si vous allez vous faire baiser, les gars. Jamais de la vie, vous la verrez, la personne. Surtout si vous. Moi, je vous le dis, les gars. N'envoyez rien du tout à ces gens-là. Faites-vous passer pour quelqu'un d'autre. Mais moi, la plupart du temps, je me fais passer pour un PD. Mais pourtant, j'en suis pas un. Mais je me fais passer pour un PD. Et ben, croyez-moi, c'est quoi? Elle se barre. Ou alors, il, parce que c'est des il. Mais plusieurs fois, je leur ai demandé, mais pourquoi tu fais ça? Ils sont paumés, ils ont pas d'argent, surtout vers la Côte d'Ivoire là-bas. J'ai rien contre vous, les gars, mais arrêtez, bordel. Arrêtez de vous faire. Arrêtez d'essayer d'escroquer les gens. Franchement, moi, avec moi, ça marche pas. C'est pas la peine de. Tu veux m'envoyer des invitations pour aller voir ma page, pour aller voir mes vidéos, il n'y a pas de problème. Mais si c'est pour me demander de l'argent, tu peux te mettre un gros doigt dans le cul. Excusez-moi l'expression, mais t'auras jamais rien. Rien. Mais c'est pas moi qui va te donner du fric. Là, tu peux te coller. Surtout quand tu dis ouais. Alors, moi, je fais un truc aussi. C'est que par exemple, quand on me dit ouais, bah, je suis à telle région, je sais pas, par exemple, à Lyon, bah, moi, je dis moi aussi, je suis à Lyon. Viens, on se voit aujourd'hui, viens, on va boire un verre. Et là, tu verras, comme par hasard, ils vont te dire, ah ben non, là, je peux pas, machin, mais ils trouvent toujours ça, tu vois. Ou alors, il y en a qui te disent, bon, voilà, moi, je suis du Var. Tu fais, ah bon? C'est quel département, s'il te plaît? Ils sont même pas fichus de savoir le département. Ils te disent qu'ils sont à un endroit, ils sont même pas fichus de savoir. Alors, s'il vous plaît, à tous les gars qui sont un peu paumés, qui sont en manque de femmes, excusez-moi, c'est la vérité. Qui sont un peu paumés, ils ont un manque de femmes. Il y a, écoutez, sur la planète, il y a 10 femmes pour 2 hommes. Alors c'est bon, les gars, si vous êtes un peu paumés, sortez en boîte, ou je sais pas, allez dans des bals, sortez, allez voir des amis, vous allez en trouver une femme, c'est pas le problème. Mais n'envoyez pas d'argent, s'il vous plaît, à ces mecs qui vont vous escroquer, parce que vous parlez pas à une femme, vous parlez à un mec. Surtout quand il te dit, ouais, parle, vas-y, dis-moi tout, vas-y, je suis là pour t'écouter. Mais fuck! C'est des escrocs. Voilà comment ça se passe, les escrocs sur YouTube. Et moi, j'appelle YouTube et j'en dis, putain, les gars, faites un système de localisation, pardon, de région, que voilà, quand il y a des mecs comme ça et qui vous envoient, qui s'inscrivent sur votre site, là, que vous localisez
et que vous apercevez que c'est des hommes. Arrêtez, YouTube, arrêtez. Vous allez partir en faillite là si vous continuez comme ça. Bon allez, surtout sur Facebook et ne donnez pas ni vos coordonnées sur raison. Ne donnez rien. Surtout si on vous demande ouais, est-ce que tu peux encaisser un chèque pour moi? Laisse tomber, c'est des escrocs. C'est de la merde. Allez les gars, surtout que la vie elle est dure en ce moment en France. Regardez mon exemple, moi je suis au chômage, tu vois, j'ai pas voulu, mais bon, licenciement économique, quelle misère. Mais bon, bref. Allez, tchuss, je vous laisse sur ce coup-là. Voilà comment ça se passe en France. Les escrocs sur Internet, ça commence à casser les couilles. Allez, tchuss, surtout quand ils se font passer pour des femmes. Mais c'est vrai, quoi. Bordel.